Et bonjour tout le monde, c'est Azaï. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo unboxing Pokémon. Aujourd'hui on va être sur un coffret qui est sympathique. Aujourd'hui je suis tout seul aussi, ma chérie étant fatiguée, donc elle est pas très loin, donc si jamais il y a des cartes de fou, peut-être que vous l'entendrez brailler, mais elle est pas, en tout cas pour la vidéo, elle est pas OP, on va dire. Et donc aujourd'hui on a un coffret qui est très sympa, qui est pas forcément facile à trouver non plus. Celui-là on a un peu de mal, parce que les coffrets les plus faciles à trouver, ça reste les coffrets rentrés avec Florizarre, Pikachu. Mais il y a eu pas mal d'autres sorties au niveau des coffrets, il y a des coffrets qui sont très durs à trouver. Par exemple, il y a le coffret Ptera que j'aimerais bien arriver à trouver, que j'ai du mal, le coffret Diancie aussi que j'ai du mal. Et donc là aujourd'hui, c'est le coffret Mega Léviator. Hop, qui est ici, voilà, là on le voit bien. Donc ce coffret là, il est assez sympa aussi, donc il y a 5 boosters offensifs vapeur. On a la carte Mega Léviator en grande, et on a la carte Léviator en petite, donc c'est le Léviator chromatique, il est rouge, hein, c'est pas le Léviator classique. Et donc du coup le coffret est vraiment très joli, et puis bah, Léviator c'est déjà un Pokémon qui est très sympa, et en chromatique comme ça rouge c'est vraiment très très sympa. Donc on va s'ouvrir ça, en espérant avoir autant de chance que sur le booster génération de comment il s'appelle, de Dracaufeu, où il nous a quand même sorti 3, enfin 2 EX plus une énergie embryante. Donc on va voir ça, c'est parti. Donc voilà, donc on va commencer comme d'habitude par nos deux cartes promo. Donc avec bah, le Léviator donc en chromatique, qui est ici, voilà, qu'on voit bien, qui est sympa, donc qui est en holo. Et puis donc on a donc la grande carte, qui est vraiment stylée, du Mega Léviator. Et qui est vraiment classe aussi. C'est vraiment sympa. Les cartes brillantes sont vraiment toujours super sympas. Hop, on va la mettre là. Bon, si elle veut bien tenir, bon, sinon on va la mettre ici, c'est pas très très grave. Voilà. Ensuite, donc on a quoi? Donc on a notre carte promo donc, qui est ici, qu'on va mettre dans son petit emballage parce que j'ai pas envie qu'on l'abîme. Hop, on va prendre quelques petites pochettes. Au cas où on a des petites EX sympathiques. Voilà. Donc on va se la mettre ici. Et donc comme d'habitude, donc là, voilà, on a nos boosters offensifs vapeur, donc on en a 5. On va commencer par le Volcanion. En espérant donc avoir un petit truc sympa. Voilà, comme ça. Bon, à force, c'est vrai que là, comme on a quand même en plus, on a, nous de notre côté, on l'a pas filmé, mais on a ouvert un display. Un display offensif vapeur. Alors c'est vrai que là, du coup, on commence à avoir pas mal de cartes qu'on a en c'est plus en double, hein, c'est en quintuple exemplaire. Donc là on a quoi? Un petit Wistikram en normal. Hop. Oh non. Un petit Fuyaison. Un petit sans coquille. Un Ghost. Miaous. Petit carte dresseur. Alors, Floravol. Un petit fossile. On a un petit Miaous qu'on n'avait pas en reverse. Qui est sympa. Et on a, ça on l'avait déjà par contre, un Tyranitar en rare. Ok, allez, on passe au next. Ça vient s'ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est le petit code des cartes. 1, 2, 3. 1, 2. Alors, un petit sans coquille. Un petit Démanta, tic, Férosinge, un Trompignon tout moche, un autre fossile, un clic, petite recharge spéciale. Alors on a une reverse, ah c'est sympa parce qu'on avait sa pré-évolution en reverse. Là c'est bien, une Diamat en reverse, ah oui là comme ça on le voit bien. Là. Hop, et un petit Nemelios. Donc c'est pas de la holo, c'est juste la rare. Donc je crois que celle-ci on l'avait déjà. Allez, on enchaîne. Hop, petit carte code. 1, 2, 3, 1, 2. Alors donc du coup de nouveau un Démanta. Oula, je cache, je crois que j'ai vu une turbo ou une EX, peu importe, j'ai vu un truc. Un petit tic, un petit Ponyta, un petit Scalpion, Moustillon, Azumarill, le petit Cupcake Dresseur qui est bien relou,
On a donc un Mélancolux. Ah bah sympa, bon celui-ci on l'a déjà, mais elle est quand même classe. Petit Veltal Turbo, on voit bien là. Hein. Yveltal qui est un Pokémon que j'aime beaucoup. Et un petit Colossinge en rare. Donc hop, ça c'est pas mal déjà. On va déjà protéger la petite Turbo. Hop. Voilà, donc la petite Turbo qui est là, qui est sympa. On va se la mettre ici. Ça va tenir, non? Voilà, ça va tenir. Allez, hop, on a encore deux boosters, donc il y a moyen encore d'avoir un truc. Bon, déjà une petite Turbo, c'est sympa. Déjà, au moins, on reviendra pas bredouille. Va être très sympa. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Alors, donc on a quoi? Un petit Granivol. Un petit Tyranitar. Un petit Nidoran. Et Lionceau. Parfuret. Guriaigle, je connais jamais son nom. Un petit clic, un petit ninja amateur. Donc en reverse, ça c'est bien parce qu'on l'avait juste en rare. Le petit Dracarmin qui est sympa, elle est jolie cette carte-là. Hop. Ah, ça c'est cool. Yveltal en holo, ça c'est super sympa. Elle est holo? Oui, elle est holo, elle brille sur les trucs. On le voit pas bien à la caméra si on le voit un petit peu. Mais elle est très jolie celle-ci pour le coup, on l'avait pas et ça je suis content. Donc ça c'est une jolie carte aussi. Et le dernier booster. Booster à l'effigie de Yveltal justement. Petit carte code. 1, 2, 3, 1, 2. Alors, un petit sans coquille encore une fois. Ferrosinge. Trompignon. Grelasson. Un petit statitique. Un autre fossile. Un petit Floravol, un petit Brasillon. Alors, ah, ça c'est cool. Une petite reverse de Nidorino qui est très jolie. Donc ça on l'avait pas non plus, c'est bien, ça fait plaisir. Même des fois quand c'est pas des EX mais que c'est des reverse ou des holo qu'on n'a pas. Ça celle-ci je l'avais pas à ma collection donc c'est très sympa. Et celle-ci on l'a déjà par contre. Un petit Gamblast en rare. Donc voilà, donc c'est quand même pas mal. Bon, on n'a pas eu 50 000 EX, mais on a quand même la Yveltal en turbo, et celle qui me fait très plaisir, voilà, c'est la Yveltal en holo, parce que celle-ci, elle est bien. Et puis même la petite Dracarmin en reverse, elle est sympa. On a eu des petites reverses très jolies, celle-ci aussi. Je suis surtout content parce que ça, c'est des... Voilà, les reverses qu'on a eu aujourd'hui, bah, celle-ci, je l'avais pas, celle-ci, je ne l'avais pas. Celle-ci, je l'avais pas en reverse, j'avais pas la holo, et voilà. Donc, du coup, toutes les reverses qu'on a eues aujourd'hui et la holo, on les avait pas dans notre collection. Donc, du coup, ça, c'est super sympa. Et puis, bah, du coup, voilà, hein, quoi qu'il arrive, on a notre Léviator chromatique, et puis, bah, du coup, la petite Yveltal. C'est toujours sympa. Donc, aussi, aujourd'hui, hop, ça, c'est bon. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'exceptionnellement, je vais vous donner carrément les codes qu'on a eus directement dans les boosters. Donc. Comme ça, vous pourrez les utiliser. Donc ça, c'est des boosters offensifs vapeur. Je ne sais pas si dans le lot, il n'y a pas le coffret. Non, il n'y a pas la carte du coffret. Il n'y a pas de carte, enfin de code qui va vous débloquer le Léviator chromatique. Mais du coup, je vais quand même vous donner donc les 5 offensives vapeur. Donc voilà, donc ça, c'est pour le premier offensive vapeur. Ça, pour le second. On vous ferait pause hein, pour noter le numéro. Hein. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Et ça c'est le cinquième. Donc voilà, ça c'est cadeau. Hop, ce serait pour ceux qui jouent à la version en ligne du jeu. Donc voilà, c'est fini pour ce coffret Mega Léviator chromatique, donc qui était joli. Je vais vous remontrer un petit coup donc la grande carte. Voilà, hop, qui est vraiment super jolie. Et puis voilà, donc du coup, on n'a pas eu 50 000 EX, bon, on n'a même pas eu d'EX du coup, mais du tout, mais on a eu par contre un Yveltal en turbo, donc ça c'est sympa. Et puis on a quand même eu des reverse qui sont bien jolis, ça me fait plaisir parce que du coup, ça complète la collection, parce que c'est difficile au bout d'un moment quand on commence à avoir pas mal de cartes, ne pas d'avoir des doubles, on a des boîtes entières avec des doubles, des triples, des quadruples de cartes, même des fois parmi les rares. Donc du coup, là, quand on a vraiment des cartes qui sortent et qu'on n'a pas en double, ça fait plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas donc à mettre un petit like sur la vidéo si ça vous a plu, un petit commentaire parce que ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les dernières sorties de nos vidéos. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!